C'est Kounia a gagné audition et réunion sous nos pays d'Haïti. Demain jeudi à 10h AM, a gagné une audition que la House Foraine de Chambre des représentants des États-Unis a fait et qui a gagné comme chairman un bien sénateur républicain Gregory Mix à côté Velina qui soutient dans organisation nous pape Domi, Auguste Rossi qui soutient dans RNDDH ensemble avec un représentant POHDH et Pamela White qui a gagné pour prendre la parole dans le moment si là. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons prison fédérale Denver qui frappait, qui pral condamné yon haïtien qui kon a fait trafic illégal zam de États-Unis à Haïti dans l'année qui saute passé yon là, et jeune garçon ça gagné seulement 32 l'année. Nous pral kon kinol, nous pral kon pour qui ça li déclare tête coupable et comment li même processus là pral arriver fait. Et puis devant nous gagnons association patronale qui décide d'écrire une lettre by PM Ariel Henry pour demander démission. Nous disons comme ça parce que c'est comme si c'est ça à fait pour demander démission Jean-Victor Généus après déclaration devant Nations Unies comme quoi tout va bien et tout va pour le mieux en Haïti alors que n'a fait face ensemble avec une situation qui est compliquée et n'a tout passé par Jériter Dieu et bien qui commentait sous question déclaration Jean-Victor Généus. C'est toute information avec diverses autres qui pourra faire essentielle actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5, chaîne Information Noir avec Fabula Jean-Charles. Encore une autre fois, si on plaisir, pour nous rentrer la carte ou à rubrique Information ça. Mais bien avant nous aller plus loin après temps, pour nous dire merci, ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage, et merci ensemble avec vous-même qui va jamais suspendre, inviter une famille ou une amie, ou venez abonner ensemble avec Info 5, puis vous capable toujours être connecté avec bonne information. Nous tout là qu'on est aujourd'hui, c'est mercredi 28 septembre 2022. Je nous tout connais déjà, bien avant nous rentrer dans le développement titre rubrique information nous toujours gagnons l'autre info qui est vraiment essentielle que nous pas obligés inclus dans le titre là. Qui ça info ça y est? Info ça aller directement vers vite l'homme innocent. Nous même pas cité signati messie ça pas bon ici là puisque pas gagne rien de innocent. La caille, vite l'homme. Nous toutes la songer, on t'est arrêté vite l'homme, et juge qui t'est la gueule là, t'es dit, ou m'est allé, m'libéro, ou ben, pis mal, passe neige. Et après ça, tout le monde t'a dit vite l'homme, c'était un entrepreneur, jusqu'à ce que, secteur démocratique et populaire, mettez le salier, je ne jodi à la. Parce que, garantou, si toutefois que, vite l'homme lui-même, lui de jeune un job, vite l'homme lui-même, lui de jeune en place, j'en ai te promettre qu'il y a, je ne j'ai dit à la, mouvant ça qui a fait dans ton celle-là, nous pas t'a gagné. Nous pas t'a gagné, ça qui a fait dans ton celle dans moment, n'a pas les à la, mesdames et messieurs, côté, bandit vite l'homme, yo fin enragé, yo touye, yo pillé, yo assassiné et yo arrivé kidnappé famille yo chef nan BLTS MD nou chef là ça veut dire son moun qui au gradé yo kidnappé maman petite li ensemble avec yo seul et après yo mette du feu nan kala yo allé et nous konn ki kote kala ye derrière académie police là pendant que vite l'homme a essayé fait tout ça konnen pour li rentrer en dans académie côté y a formé jeune femme ak jeune garçon qui pral gagner pour protéger ak servi nan pays yo donc ça vient dit là la vie ti jeune ça yo qui en dans académie police ça li vraiment en danger. La vie yo en danger. Parce que j'invite l'homme à valer terrain là, c'est un bagay qui grave. Nous avons une belle ville, puis on est capable d'épargner la vie, yo, te dressé un mur, et maintenant, on a parlé à la, vite l'homme presque fin crasé mur là, mesdames et messieurs. Donc, il prend le marché sous belle ville, et il peut finir avec quoi les bouquets? Donc, le moisson, je te mette voyer soldat sous soldat, vite l'homme lui-même, c'est territoire la marche prend. Mais ça nous offre actuellement là en deux pays. Alors que le qu'on désire, aïe, dans matin débat, te déclaré que toute gang, toute malfrat, toute violeur, kidnappé, tout volé, tout monde qui a fait mauvaise affaire en deux pays, rassemblé pour nous marcher, pour nous faire révolution. Dis-moi qui révolution ou qu'a fait ensemble avec les monde qui compte violer les gens. Dis-moi qui révolution ou qu'a fait ensemble avec kidnappé, ensemble avec malfecté.
Dis-moi, qui révolution ou capable de faire ensemble avec genre de monde ça yo? C'est question ça yo qu'a posé Louko Désir. Donc là, nous chita là, n'a incité yon peuple à la violence. Donc, n'a mette plus, comme qu'a dit ça, n'a mette plus courage là qu'a groupe armé ça yo pour continuer faire ça ou gagner pour faire un de pays ya. C'est ça n'a fait là dans moment. Donc nous-mêmes qui gagnons capacité pour nous capables éduquer, informer peuple à tant pris, pas induire en erreur. Et ce n'est pas pour la première fois bagay ça répété en Haïti. En octobre 2019, eh bien John Joel Joseph qui était sénateur te déclaré, mesdames et messieurs, que li besoin tout gang yo, li besoin Don Kato, li besoin d'ici, besoin date pour rassembler ensemble, mettre tête yo ensemble pour capable faire l'autre 17 octobre pour renverser Jovenel Moïse. Donc plan assassiner Jovenel Moïse la fête longtemps. C'est pas plan qui t'a fait journée jodi à là. Et c'est ça que fait toujours dire au monde, question que ou chita, ou a demandé aide toute journée ensemble avec communauté internationale là. Si communauté internationale a tapé de vrai, depuis bien avant assassinat Jovenel Moïse, bien avant ta la Turquie, yo tap qui t'a fait tout ça ou te gen pour faire renforcer l'armée d'Haïti avec la police d'Haïti. Mais qui ça ou fait yo djou, gen Colombien, kap sorti dans pays yo, qui se expert, qui se dis, qui se date, qui pral vin aider la police là, qui pral aider au décortiquer information, qui pral aider au goumer avec groupe gang, et qui sa konome sa ou te vin fait dans pays ya, konome sa ou te vin assassiner Jovenel Moïse, jounen jodi a la, mes résultats assassinat. Mes résultats assassinat Jovenel Moïse là. C'est président qui a assassiné. Et puis après chaque assassinat ça yo, pays d'Haïti vin pi mal, pays d'Haïti connaît plus moment qui difficile. Imaginez, on sac diri à vendre presque 1000 dollars. On galon gaz à vendre 900 dollars. On galon l'huile à vendre 450 dollars et des fois 600 dollars. Ou pas ka acheter ti mamite mayi, ou ti mamite farine, ou pas ka acheter ti bokit chabon, ou pas ka acheter gaz propane pour mettre nan bonbon nou pour four fonctionner. Dim exactement qui ça la fait dans pays ya. Yon pays qui pa gen gaz, yon pays qui pa gen de l'eau, yon pays qui pa gen yo pays qui pagaient l'hôpital. Kounen la chien jodi a la, Bernard Mezou, li pral oblige réduit sous gens la fonctionner parce qu'elle pague gaz pour fonctionner. Dijus la plein, nat comme a plein, entreprise a plein, mag a plein, tout côté net a plein et population li même li kampe nan mitan. Et on dirait Ariel Henry, téléphone ni nan men. J'en ou téléphone nan la, ok? Téléphone ni nan men, il a gardé la secoute li. A ba ti pep sa fou, monsieur. Adje, on nous comprend go bagay m'dawal fè pou nou la vre. Nous sot nou imbécile. Ou pa m prendre Michel, m'pran Majorie Michel et moun sa ou kite problème mwen. Mwen toujours di nou ça. Nous capable di Ariel Henry tout bagay, mais il sait comment gérer les belliqueux en Haïti. Il le sait très bien. Donc si André Michel, Ricard Pierre, Majorie Michel, Edmond, ensemble avec un paquet de petits cocorats de pouvoir encore, mettez Yoshita là à manger dans Ariel Henry. Ariel Henry gagne yon bagay, li fait quand bien même. Et voilà, mesdames et messieurs, donc la situation est compliquée pour moun ki a vivre Belleville, moun ki a vivre de l'Académie la police là, Tossel, ensemble avec Peigné et voir quoi des bouquets. Qui donc la police nationale d'Haïti t'a pris DG France LB. Essayez de prendre responsabilité aux police. Essayez de créer moyen pour nous capables de couper ça qui a passé actuellement là en Haïti. Parce que si nous quittons continuer, en vérité, nous prenons un kachaboumbe. Nous prenons un kachaboumbe. Pendant ce temps, ou tandis que normalement là, l'école a l'ouvri 3 octobre, dans moins de 4 jours, et demain jeudi à là, a gagné calendrier scolaire qui sorti. Pas vrai l'esprit maniga. N'a continué, n'a keep going, comme si de rien n'était. Pas de danger. N'a continué. Et mais, mesdames et messieurs, en traversant dans le développement titre, nous, côté, nous pral parler des jeunes garçons 32 l'année, ça, que yo pral condamné, qui plaide coupable, dans la question vos examens en Haïti. Et mes jeunes garçons, ça, pote non, Peniel Olibris. Li plaide coupable, semaine qui sont passée à la, dans un tribunal fédéral, dans Denver, Colorado, aux États-Unis, comme moun, qui te kon acheté et puis voyé 77 âmes illégales en Haïti, dans une période de 16 mois, entre 2019 et 2020.
Est-ce que nous tenez 77 âmes illégales? Donc, qui responsabilité diaspora a gagné dans ça qui a passé en Haïti? Eh bien, mais qui responsabilité diaspora a gagné? Pendant que, ouais, au chita de internet là, ouais, au chita de téléphone, yo, tout jouné à tweet, tout jouné à faire vidéo, yo frustré, yo dit sur date, mais c'est même yo même encore qui a voué les âmes en Haïti pour assassiner frère Axel ou yo. Ok? Dans toute cas, il y a une exception. Il y a moun ki dans diaspora haïtienne qui a pensé pour pays d'Haïti tout bon vrai. OK? Mais il y a un paquet tout qui utilise statut de diaspora yo, ou du moins qui utilise travail que a fait aux États-Unis pour capable voyer zam en Haïti. Peniel te acheté zam sa yo dans magasin zam dans zone Denver côté monsieur mette zam yo dans boîte ensemble avec Doom dans machine et puis li voye yo en Haïti. OK? Li voye yo en Haïti. Donc, Peniel Olibris dit tribunal là que presque tout zam sa yo vann ak l'autre moun ki en Haïti. Yonek se mak ki fek voye 13 machines en Haïti. 13 machines, 77 zam illégal, el revann yo ensemble avec moun ki en Haïti. En octobre 2019, yo magasin zam te suspect Peniel Olibris et puis yo te relé la police ensemble avec FBI qui te ouvri tout de suite yo investigation sous monsieur qui te vin acheter zam à yo ti femme haïtienne qui relé Faniola Charles. Faniola n'importe koto ta ya, yo arrêté Olibris qui donc ou même pote tout by la justice américaine. Est-ce que vous, il m'a qu'il y a même j'avais moi. Si vous mettez B à la place, elle n'a rien de Fabiola. Et si vous mettez Jean, il y a de Fabiola, Jean Charles. Heureusement, c'est Fabiola Charles. Lirele. Et photo ça n'a pas gardé là, mesdames et messieurs. C'est monsieur ça qui porte nom Peniel Olibris. 12 janvier 2023, c'est pour jour condamnation Peniel dans tribunal Denver, Colorado, côté monsieur Capran entre 46 mois à 10 ans prison et puis payé une restitution entre 20 000 à 200 000 dollars américains. Est-ce que vous entendez? 20 000 à 200 000 dollars américain qui donc Peniel Olibris a joué ça nous relait joti crasse et bien rabais sous sentence puisque l'ité couru mesdames et messieurs plaide coupable dans dossier ça côté normalement li fait mounyo connaît exactement li gen en pile pour ensemble avec question voyez am en Haïti et problème pays d'Haïti a confronté a li se youn nan moun qui fait partie de moun qui mettait Haïti nan problème si la. Donc lèm di nou bagayo compliqué bagayo compliqué nan vidéo nous se gade tout à l'heure là titre la te dit patron yo réclame tête Jean-Victor Généus. Nan premier patron homme t'a parlé de Marjorie Michel, de André Michel. Mais deuxième patron c'est Association patronale d'Haïti qui écrit en lettre hier 27 septembre là by PM Ariel Henry en ses bureaux. Mais qui sa lettre là dit: Monsieur le Premier ministre, les associations patronales signataires de la présente ont été sidérées en prenant connaissance du message officiel porté par le ministre des Affaires étrangères haïtien, Monsieur Généus, devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ce lundi 26 septembre 2022. Le ministre des Affaires étrangères a dit hier, nous citons, « Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. » Fin de citation. Les conseils d'administration de l'ADI, qui c'est Association des industries d'Haïti, de la HACHAM, qui c'est Chambre commerce américaine ak Haïti, LAT, qui c'est Association touristique d'Haïti, la CCIH, qui c'est Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, et la CCIHC,
qui est chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, ont donc profondément surpris par ces propos irresponsables tenus par le ministre devant le conseil, blablabla, qui pas reflété en aucun cas la réalité d'Haïti. Donc, les associations patronales signataires supposent que le premier ministre est bien informé des troubles sociopolitiques qui règnent à travers le pays depuis lundi 12 septembre 2022 dernier. Ces troubles systématiquement paralysés tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire, causant la fermeture des entreprises, des écoles et même des bureaux étatiques. Les scènes de pillage et d'incendie de stations d'essence, d'entreprises privées, de résidences privées, de sites d'organisations internationales et même d'institutions de l'État, le blocage de grand nombre de rues par des barricades empêche toute circulation de biens et de personnes, le blocage effectif par les chefs de gang, par des terminaux à essence pour empêcher la libre distribution de ces produits stratégiques, les mouvements violents de groupes de la population pour maintenir ce climat. Donc, Jean-Victor Généus, vraiment pas bien ébu de ça qui a passé actuellement là. Donc, je m'en dépêche, PM Ariel Henry, que l'y comprenne bien fondé, normalement, crise pays d'Haïti, ensemble avec démarche que a fait pour yo assurer que yo prend des actions qui appropriées pour rétablir la vérité, la crédibilité et l'image du gouvernement haïtien. Nous avons quelques signatures, tout coup, Laurent Cécir, qui est président Chambre Commerce Industrie de l'Ouest, là. Nous avons Reina Forbin, qui est président Association Touristique d'Haïti. Nous avons William Lamke, qui est président ADI. Nous avons Michel Moura, président Chambre Commerce Haïtiano-Canadienne. Nous avons Jean-Philippe Boisson, qui est président Chambre Américaine et Commerce en Haïti. Donc, ça veut dire là, Association patronale, yo mande Ariel Henry en quelque sorte révoquer Jean-Victor Généus parce que li pa prégué rien sérieux nan pays à la qui donc pour PM nan capable prendre responsabilité, li supposé normalement rétablir la crédibilité, la confiance et la vérité. J'aime te dire nous là, ancien député Pétionville, Jerry Tardieu, t'es exprimé le tout par rapport ensemble avec déclaration Jean-Victor Généus là. Entendez Jerry Tardieu. On a les joindre réaction ancien député Pétionville, Jerry Tardieu, que même Jean a avec nous, ou t'as suivi différentes interventions qui t'as faites devant Conseil Sécurité Nations Unies, différents diplomates qui exprimaient sur la situation haïtienne, mais il y a des réactions, tout des déclarations qui étaient dans l'esprit monio, c'est déclaration ministre Affaires étrangères haïtiennes qui dit situation globalement sous contrôle, donc gouvernement a gagné contrôle territoire national là, ou gain en réaction à chose ou déclaration ça et plusieurs autres déclarations interventions qui fait dans le cadre de rencontre ça. C'est intervention là pari qui dans l'esprit moun li croqué dans gorge peuple haïtien parce que m pas capable dire c'est une page qui pi triste dans histoire diplomatique et Jean li fait dit dans tabdil et c'est un ministre qui masqué qui a devant le monde entier. Et les nous dit masqué, c'est pas nous seulement qui le masqué, nous avons gardé tous les gens sur les réseaux sociaux. Nous pensons que les Haïtiens n'ont pas oublié tout ça. Il y a un ministre qui a représenté un pays, ça veut dire moi-même avec, devant le monde entier, au lieu de profiter du forum, ça, pour lui l'amour devant les rames que nous vivons là, pour lui l'amour devant la crise humanitaire qui a dessiné devant nous là, que nous bien des peines matières, que nous bien des climatiques, nous félicitons pour ça. Et bien, il choisit. Prend pause et que tout bagay ok. Pendant le ministre a dit tout bagay sous contrôle, représentant la Chine, la Russie, la Norvège, le Canada, la France, c'est eux-mêmes qui ont une meilleure description des drames qu'ils ont vécu là. Donc ça, c'est en contradiction complète avec étrangers. Donc ça, c'est un problème dans le pays, un problème à diriger. Le ministre a dit tout bagay sous contrôle pendant qu'on tenait un mois, une semaine, il va sortir la douane. Ça veut dire que le camion gaz, nous avons dit là, il est bloqué dans le terminal là.
Ça veut dire, les bagages gaz dans le pays, les économies bloquées, ces pays qui ont tout fait, ces peuples dans la grabat. Votre matisse est toujours bloqué. Donc, dès qu'ils contrôlent, les ministres étrangers à parler. Si le pays a coupé, les capitales ont toujours. C'est-à-dire, l'hôpital, on a pris des matins avec un pile qui est sérieux. Et liste l'hôpital qui a fermé parce qu'il n'y a pas de gaz. Les médecins résidents, nous voulons un gros coup de chapeau pour eux parce qu'ils ont des dangers. Ils ont eu l'hôpital là. Maintenant, l'hôpital général, c'est 7 qui gagnent pour 100 malades qui sont en urgence. Il n'y a pas de monde qui a un petit problème. L'urgence, c'est des gens qui ont un danger de mort. Bon drame humanitaire en Haïti, bon gros problème en Haïti. Donc, ça, c'est le premier ça pour nous dénoncer, le premier cri d'alarme pour nous dénoncer, c'est ça. Même taxi, moto, New York, même on gagne un gaz, on va dégager dans le pays. Donc, dès qu'il s'en a parlé, des parcs industriels, il a fermé. Les bureaux de l'État, non seulement a fermé, a brasé. Donc, bon problème. Donc, nous avons son cri d'alarme parce qu'on a parlé dans le pays, côté jusqu'où il y a un petit monde pour aller à l'école. Donc, qui j'aime aller sous contrôle là? Alors qu'on connaît l'école, c'est base pour marcher tout le monde qui vient demain. Dès qu'il contrôle la parole là, on connaît que l'école, l'idée à la base de l'économie pays, c'est que l'école a fonctionné. Taxi moto, je n'en tire au ciel, couturier, je viens tailler uniforme, avec dit manger à bonne, machin, manger cuit dégagé. Ou même l'école là, le professeur tout son petit corps. Donc même l'école va ouvrir. Donc dès qu'il sa ministre a parlé, elle dit que tout le monde est sous contrôle. Nous-mêmes nous disons. Tout le bagage n'est pas sous contrôle. Nous-mêmes nous disons qu'on crise humanitaire. Nous-mêmes nous tirons la sonnette d'alarme. Et nous disons à côté des gens qui gagnent dans la politique, dans la discussion, dans l'accord, des accords. Priorité, je vous dis, c'est libérer le pays. Pour libérer le terminal là. C'est-à-dire que faut qu'il y ait un gaz et qu'il y ait et pour le distribuer bientôt. Voilà, nous sommes des déclarations Jerry Tardieu, mesdames et messieurs, sous situation pays d'Haïti, ensemble avec déclaration Jean-Victor Généussa qui vraiment irresponsable. Grand moun sa, je t'ai supposé bâtir seulement de bouche ensemble avec Soudomé. Pas oublier. Depuis la de force mettez président en Haïti dans transition, pas jamais un président qui était depuis Gérard Goug jusqu'à Mécène, passé par Jean-Fritz Alphonse Jean. Mesdames et messieurs, côté divers membres à quoi Montana déclaré, yo pas connu négociation que Alphonse a fait ensemble avec accord 11 septembre 2022. Et cela nous mettez bout à information pour aujourd'hui. Merci d'être que vous likez, commentez, partagez et merci d'être que vous continuez à inviter une famille ou vos amis. Venez abonner à Info 5 pour être capable toujours être connecté avec bonne information. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.